Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astroneer. Vous voyez que je récupère donc un maximum de composites donc actuellement pour justement pouvoir refaire, vous savez, si l'interface me le permet. Ça, j'avais pas remarqué qu'il se mettait à poil pour le faire. Enfin, qu'il perdait son sac à dos dans le dos en fait. Comme quoi je suis pas si observateur que ça. Pour donc continuer à faire des rallonges, j'ai cherché un petit peu au fond de cette grotte. On a pu voir qu'apparemment quand ça descend, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je suis curieux de voir jusqu'où cela descend. Jusqu'où cela descend, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Parce que je compte les pas en fait. Tous les 6 pas, je dois rajouter un truc. Allez voir, regardez, attendez. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, c'était ma dernière. Bon, on y va, on sprint un peu, on va aller voir un peu plus bas. Et vous voyez, ça me rassure pas en soi. Bon, il y a de l'oxygène ici, on va le prendre. Ça va nous recharger un petit peu. Il faudra faire très attention en montant. Oh putain. Ah si, attendez, je le vois. Regardez, juste ici. Hop. Même catégorie d'objets? Non, pas du tout. Ok, intéressant, on remonte. Là, pour le coup, on n'a pas d'autre choix que de remonter. Avec ça. Parce que là, ça peut être intéressant. Donc, on a trouvé quelques objets de recherche intéressants dans le présent épisode. Dont un module. Un module qui apparemment est buggé. Hein. En tout cas, le module étroit est buggé. On a trouvé le module large pour faire des plus gros trous. Mais je comprends pas. Alors, c'est ni expliqué dans le jeu, hein. Ni bindé, et je crois qu'en fait le fait que les modules soient là, plus le problème de binding du jeu fait que bah j'ai du mal à les utiliser tout simplement. Et donc je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se goupiller par la suite, s'il y aura ne serait-ce qu'un tutoriel pour l'utiliser ou n'importe quoi. Vous savez, dès lors vous le mettez pour la première fois, ou genre une petite apparition, un encart quelque part qui disant et rappelant surtout sur comment l'utiliser correctement, et ou en tout cas comment l'utiliser tout court, hein. Même correctement, c'est pas forcément ce qui m'intéresserait plus, c'est savoir l'utiliser, ne serait-ce qu'un minimum pour pouvoir le mettre à profit, quitte à apprendre au fur et à mesure comment l'utiliser. Mais bon, je vous rappelle qu'on est en pré-alpha, on n'est même pas dans une alpha, et là donc, bah, les devs se disent que l'alpha devrait arriver bientôt. Et donc je suis curieux de savoir justement si elle n'arriverait pas au moment où sortira la mise à jour de la recherche, tout simplement. Bon, on verra, hein. En tout cas le jeu est quand même assez génial jusque là. Et le pire en plus, c'est que vous voyez, il y a plein de petits bugs. On va le voir par exemple, un bug graphique, mais ça dérange pas, vous voyez. C'est le jeu, et il y a vraiment une ambiance qui est... Oh merde, il y avait rien dedans. Oh là là, le gâchis. Le gâchis. Alors là, je suis désolé, là je suis un peu sur le cul. C'est du lithium. J'ai un lithium et un cuivre, bah je vais envoyer ça pour récupérer un petit peu de composite, puis je vais récupérer celui-là. Hop, ok, bon c'est la déception, hein. C'est la grosse déception. Je l'admets, là je suis vraiment déçu. Hop. Alors certains d'entre vous commencent à me demander si je voudrais pas faire des parties avec eux. Bah peut-être qu'en live on en fera un petit peu de temps en temps, hein. C'est possible aussi, hein. ça peut arriver. Hop, qu'est-ce qu'il y a par là? Alors, forcément. Maintenant, je n'ai plus de rallonge. Il y avait un truc dessus, non? Non. Waouh, ça pète ça. Ok, on est bon. Par contre, l'hydrazine, j'en ai vraiment rien à faire pour le moment. Surtout que c'est pas du tout un composant. C'est un composant qui vous pique de la place. Tout bêtement. Hein. C'est ni plus ni moins que ça.
chose ici. Je vais le monter. Sait-on jamais, ça pourrait être intéressant. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le camion. Une fois que j'ai trouvé le camion, je peux explorer et me contenter des, vous savez, des comment, ah mince. Oh putain. Me contenter des comment, des carcasses de comment, de satellites et de vaisseaux posés un peu partout, tout en faisant de la balise. Grâce aux composites. D'ailleurs, les balises, je trouve qu'ils coûtent un prix fou en composite. On devrait en avoir deux ou trois. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais vraiment, le camion, ce serait vraiment une tuerie. Allez, le camion. Aïe, fournis-moi le camion. Merde, je viens de me péter le coude contre le levier vitesse. Eh merde, du composite. Bon bah, go hein. Bon, alors j'ai aussi pensé à faire de cette série une série entre guillemets ASMR pour la blague, hein, pour le LOLs. Parce qu'en fait j'en ai discuté avec un ami à moi qui me disait bah oui effectivement c'est un jeu qui est extrêmement calme et ça correspond au style. Je fais bah c'est pas faux, je reconnais. Donc des séries ASMR sur... Ah oui d'accord. Apparemment, on n'a pas exploré par là. Alors, je vois des ennemis. Mais pas que. Voilà. Reste à savoir. S'il y aura vraiment un intérêt à continuer l'exploration sur cette planète. Parce que je pensais à ça. J'imagine qu'ils vont pas laisser tous les systèmes de ressources sur la même planète. Ça semble logique dit comme ça. J'ai un doute, parce que du coup ça veut dire que ça se trouve j'insiste un peu trop ici sur cette planète, mais que je pourrais trouver mieux ailleurs. Et dans ce cas-là, il faudrait que j'améliore cette planète. Je ne sais pas, ça m'intrigue. Autant pour moi, j'ai peut-être parlé trop vite. C'est tous les trucs qui me servent pas là pour le coup malheureusement. Je cherche quelque chose pour améliorer le véhicule ou améliorer le stockage et il me fournit tout le reste en fait, c'est dommage. Loi de Murphy hein. Je sais plus c'est quoi alors, je me rappelle du principe de la loi de Murphy. Je me rappelle jamais de... En fait j'aime bien avoir les quotes précises, vous savez les bonnes phrases. Je récupère vu qu'on sait que ça mène à rien. Je viens de penser à ça. L'économie d'abord. Hein. Cool. Sauf s'il me dit que j'ai plus de place. Non, apparemment ça va. Bon, je remonte. Voilà, récupérer un paquet déjà, c'est cool. Je vais pas prendre de risques inconsidérés. Ce serait dommage. En tout cas, par là, ça ne sert plus à rien d'y aller. Pactage plein, parfait, vous voyez, bah, comme quoi. Du coup, si je peux...
barrer ici. Bah. Seul endroit où je suis pas censé pouvoir passer. J'ai envie d'y passer. Hop. C'est pas grave. Même si je devrais avoir de l'énergie normalement même de nuit. Ce qui d'ailleurs m'inquiète un peu. On a pu voir que le vent était pas constant. Merde, il m'a vu, il a le temps de me voir. Oh. Bah, on va attendre un peu. Si tu viens me tuer jusque là, par contre, je rage. Ok, on devrait être bon. Ouais. Ok. Wow! Non! Et parce que c'est des nuages auto-guidés, hein, je précise quand même. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est absolument mortel, hein. Par contre, ça, ça c'est beaucoup plus intéressant. Je ne rappelle pas avoir vu un truc du genre en termes de couleur. Donc, on monte. On remonte. Ah. En tout cas, j'ai bien fermé, je suis content. Je sais que j'ai plus à passer par là. Après, le reste est un peu large hein, quand même. Hein. Ah, faudrait aller chercher tout cela aussi. Oh, ça va être chiant. Flemme. Flemme, flemme, flemme. En plus, ah bah non, j'ai 8, je crois que j'ai 8, voire 10 composites qui sont arrivés là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, il va vraiment me falloir du stockage ou un camion, quoi. Merde. S'il te plaît, jeu. Fais pas ta pute. Fais pas ta pute, jeu. En plus, y a pas... Hop. Mais c'est quoi? Des piles? Boah, putain. Bon, il est temps de faire autre chose. Il va être temps. Alors je sais plus comment on faisait par contre. Ah, ça se trouve je l'ai même pas trouvé. Ouais. Et dans ce cas-là, je suis baisé. Ouais. J'ai de la résine sur moi. Bon, je vais en faire une deuxième, c'est pas grave. Hop. Imprimante moyenne, fonderie, quai de véhicule, plateforme d'échange. Donc ça va être une quai de véhicule. Un quai de véhicule, pardon. Il va me falloir deux aluminiums que je vais avoir trouvé sans problème ici. Hop. J'en fais un deuxième. Pourquoi? Puisqu'il faut que je puisse partir dans l'espace. Je pense que ça va être nécessaire. Pour continuer l'aventure. Ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Vu que je pensais pas partir tout de suite. J'ai pas fait attention au nom. Voilà, il me falloir deux cuivres que j'ai trouvé ici. Crac. Qu'est-ce que tu... Ok. Et ici, pour ça, il va me falloir quatre cuivres que je vais pas avoir à cet instant précis. Par contre, ça, il va falloir que je corrige. Hein. Ça, sans conteste, il faut que je corrige. Hein. En tout cas, la pile avait l'air vachement efficace hein, quand je l'ai utilisée là au début. Hein. Sans vouloir... C'est pour éviter de tomber bêtement dans le trou, hein, vous voyez ce que je veux dire?
Vous voyez le genre de choses qui peuvent m'arriver dans les. Dans des playthroughs, dans des let's play, tout ça. Pas d'énergie, merde, je suis trop loin. Je suis déjà trop loin. Ah bon, c'est pas là. Voilà, problème résolu. Ok, 4 cuivres, je les ai pas, c'est certain. C'est certain, on va aller les chercher. On est à, pardon, 16 minutes de vidéo. On devrait pouvoir nous en sortir, on devrait pouvoir s'en sortir dans cet épisode, normalement. Puis je ramènerai le camion directos. Ok. Donc on cherche du jaune hein, en termes de minerais. Tiens, il y a un passage là aussi, j'avais oublié d'aller le voir. Ah ah, ok, cool. Là c'est censé être fermé, ça me semble être du jaune ou c'est de l'hydrazine. Tiens, il y a ça aussi là, malachite, cuivre, parfait, cool. Ouais, c'est vrai que je suis un peu parti en mode YOLO là, hein. J'ai même pas ramené le câble, tout ça. Hop, ça va être bien mieux comme ça. Pas d'énergie, bah tu me recharges ou tu fais mine? Ah, t'as arrêté de me recharger. C'est un problème. Surtout quand tu creuses pour trouver des choses intéressantes. Il me reste de l'espace. Oui. Bon, tant pis, on y va, on remonte. On a trouvé ce qu'il faut en termes de quantité normalement, donc ça nous a pris quoi? 2 minutes. Ça va, on a fait le taf, là pour le coup on a loché, comme dirait un de mes amis. Bon. Au passage, hop. Tu veux bien me donner un petit peu d'énergie s'il te plaît? Merci. Ça me recharge un petit coup quand même. Ah, puis j'ai même pompé dans l'énergie du véhicule. Du véhicule. Ok, bon. Ce qui va permettre au passage de faire un petit test. Oui, oui, bon bah, pas me faire chier. Forcément, il m'en reste une. C'est-à-dire que là, j'ai envie de tester si tout simplement ça va les envoyer automatiquement sur le truc. Oui, génial. Cool. Oui, 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 oui. C'est bon. Calme-toi. N'aie pas peur. Tout va bien. Alors oui, ça. Ça. C'est à ne pas oublier d'utiliser. Hop, 2 et 2, 4. Navette grande, c'est parti. Mon chien qui jappe, je sais pas pourquoi. Hop, parfait, ça nous en fait un. Petite razine. Ça, il va falloir qu'on maximise tout ça. Hein. Ah, attendez, un instant. Hop, je reviens. Re, cher Jamie. Donc en fait, c'était pas le chien qui jappait, c'était quelqu'un qui sonnait. Et du coup, j'entendais plus rien. Pour la blague. Ok, bon, on y va. Par contre, les piles, ça pourrait être intéressant. Oui, forcément, je l'ai plus. Faudrait que je sache combien à quoi ça correspond, ça. Générateur, batterie, voilà, donc lithium. Ça peut être intéressant. D'avoir le grand format. Pour tout ce qui est base. Oui, hop, je le remets là, ça consomme. Celui que j'ai sur moi, ça consomme. On va le recharger à fond. Alors, je me rappelle plus trop du système de consommation qu'on avait sur sur la précédente partie. C'est ça qui m'embête le plus, c'est de savoir quelle quantité je suis à même d'emporter et quelle quantité va être véritablement utilisée, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, on a encore tout ça. On peut refaire encore quelques trajets, je pense. En espérant trouver de la recherche supplémentaire, je l'admets.
pour qu'on puisse vraiment maximiser un petit peu. J'aimerais bien avoir une grande taille, vous voyez, par exemple, Oula. Ah, c'est parce qu'il s'est cassé la goule, celui-là. Ok. Parfait. Ok, c'est pas si mal. On peut le mettre. Ça sera pris assez rapidement. Ok. Donc là, on peut voir encore des ennemis en face de nous. Hop. Des ennemis que nous venons de détruire. Là, on a de l'aluminium en plus. On a pu, on est aussi à court de fil. On va en profiter. Voilà. Alors, je vois du violet. Et la dernière fois, sous le violet, on avait trouvé quelque chose. Voilà. Chose que j'aimerais bien remporter avec moi. J'ai de la place pour un petit peu d'aluminium. 1, 2. C'est bon. Crac. J'aimerais quand même garder un petit peu de surface ici pour passer sans problème. Sans embûche, comme on dit. Ok, cool. Du coup, je récupère ça et on part. On va tenter une petite recherche. Je vais considérer qu'on a à peu près 10 minutes après avoir relancé. Donc du coup, voilà. Mais jusque là, en termes de recherche, on n'a pas beaucoup de chance. Et je me demande en fait justement si c'est pas ça... Sur ça que veut se raviser un petit peu l'équipe développant les développeurs d'Astroneer. Je me rappelle plus du nom en fait, c'est quoi. Ah, je me rappelle plus du nom de développeur, j'ai un trou, c'est rien. En tout cas, sur ça que voudraient revenir un petit peu les développeurs, sur le fait que tout ça, toute cette recherche soit trop aléatoire finalement. C'est peut-être ça véritablement qui les dérange, surtout en plus on trouve des technologies en analysant. Des trucs comme ça qu'on trouve sur la planète. Je trouve ça un petit peu gros. Vous voyez, c'est un petit peut-être ça aussi. Hein. Hop, si je peux aller refaire un petit coup, apparemment, oui, je peux. Et oui, c'est bien lui. C'est l'ami Bob. Il répond présent, pardon, il s'appelle Bob. J'aimerais bien que ça puisse se faire de loin, mais en fait, non. Voilà, merci. Ça sonne de recherche, donc, du coup. Et ce sera donc des piles. Encore, malheureusement. Rien d'intéressant. Alors ce qui tombe bien aussi, c'est que j'en ai 3. Ce qui est juste ce qu'il faut pour... Hop. Chaque fois je me fais avoir. Apparemment le vent n'est pas suffisant pour démarrer l'éolienne. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? D'accord. Bon, dommage. Je pensais que ça allait s'accrocher directement au truc, mais apparemment non. Tant pis, on continue du coup. On a encore à peu près 5 minutes pour trouver un objet, le remonter et prier pour que ce soit un bon objet, une bonne recherche. C'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit directement ça, que je puisse préparer un petit peu plus le vol, etc. De toute façon, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode, je pense. Hein. Préparer le vol. C'est par là qu'on a été ou... Ouais, non, c'est par là. Hop, on est bon. C'est tout bon. Hop, pardon. Pardon madame, pardon. Voilà, merci. Ça m'emmerde depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi, ça me dérange. C'est pas naturel. Ok. Hydrazine. Ah. Forcément, c'est quand on a besoin d'un seul coup que t'en trouves. Allez, encore un petit. Parfait. Hop. Je te vois. Alors, on en a un rouge. Et un vert à pic. On va prendre celui-là. Tant pis, je parie sur celui-là. Ce sera notre dernier trajet en plus, normalement.
Ou alors je tente les deux. Ah! Je déplace les deux. Hop, c'est parti. On y va. Oula. Hop, crac. On n'est pas extrêmement loin, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Il n'y en a que deux. Qui plus est. À droite, pardon. Hop. Crac. La chose à ne pas faire. Hop. Non, c'est pas le sac à dos que j'ai touché. Pas apparemment si, mais c'est pas ça que je voulais toucher. Ah, le seul pic. Ah. Ok. Hop. On y va. On est bon. C'est reparti pour un tour. Non, non. Ah oui, j'avais oublié que je pouvais faire ça. Je sais pas si je peux placer des choses en plus dessus, genre mettre la lumière dessus. Ça pourrait être intéressant. T'en vas pas. T'en vas pas. Non. Putain. Ok, on est bon, on est reparti. On est sur la bonne lancée. Nous sommes toujours dans les temps. Et là, par contre, apparemment, tout fonctionne. Donc, bonne nouvelle. Du cuivre. Par contre, ça pue. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Je vais attendre. Putain, ça recharge à une vitesse folle, par contre, là. Allez! Oui! Allez! Truc intéressant! Allez! Une navette. Putain. Attends! Une navette. Une navette. Qui c'est qui tire des coups de feu encore? Oh putain. J'ai l'impression que j'ai pas tout consommé. C'est marrant. J'ai un doute. Ça fait comme si je l'avais posé trop tôt. Oh, je sais pas, ça doit être dans ma tête. Arrêtez de donner des coups de feu. Hein. Putain. Ah, de l'hydrazine ici encore. Cool. Hop, je la prends. Ah, merde. Ok, c'est consommé aussi. Je prends la dernière, hein, je vais la mettre. Je pense que ça va être la dernière à remplir. Et ensuite, il faudra que j'aille voir ce que c'est véritablement que cette navette. Normalement, j'ai une grande navette, là. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est la dernière. Est-ce que je peux en mettre une de l'autre côté? Normalement, oui. Oui. Il faudra que j'en trouve une autre dernière pour... Mais voilà. Du coup, rover moyen, navette, grande navette. Ok, cool. Enfin, cool, tout est relatif. Bon. Une place avec toi. Une place avec toi, ça me coûte 4 de cuivre. Est-ce que je vais les avoir? Oui. Tiens, il y a de l'aluminium qui arrive de ce côté-là, par contre, c'est moins bon. J'aime bien mon petit tri, s'il te plaît. Ah, j'en ai que 3. C'est tellement classique. Attendez, j'en ai peut-être un sur moi. J'en ai un sur moi, cool. Hop. Cool, cool, cool. Cool, cool. C'est la seule chose que je peux faire, donc autant le faire. Bon, bon, bon. Profite un petit peu de ça aussi. Hey, là j'avoue que ça commence à être un petit peu stressant, hein. On arrive vraiment à l'extrémité, au moment où on va devoir partir pour des choses, je dois tout préparer. Ok. De toute façon, il va me falloir... Il faut quoi ici pour... Alors, panneau solaire, composite, d'accord, donc ça je vais devoir en prendre un. Donc il va me falloir moult composants, donc il faudra qu'on aille farmer un petit peu les compos.
Faudra qu'on aille farmer un petit peu les compos avant de partir encore. Pour pouvoir faire des échanges en fait, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins que pour les échanges. Hop, ça c'est fait. On a du bol, c'est en train de recharger quelque part, du coup. Ça pourra être utile. Voilà. J'aimerais bien qu'avec une seule barre, on puisse au moins, vous savez, naviguer dans le menu. Mais on ne peut pas, apparemment. C'est pas casse-couille du tout, je vous rassure. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. C'est marrant, pourtant j'aurais juré pouvoir... Non, je peux pas, hein. Puis ça veut pas du tout. Hein. Ok, bon bah on y va. Juste devant la porte. Tu veux bien me le mettre ailleurs, s'il te plaît? Ok. Venir par là, s'il te plaît, merci. Est-ce que j'emmène une éolienne? Grande question. Est-ce que emmener une éolienne est une bonne idée? Pourquoi tu voudrais poser l'oxygène? Débile. Deux. Trois. Ok, il faudra qu'on aille farmer aussi de la résine. On va aller la chercher tout de suite, hein. Je fais ça tout de suite. Un petit peu en tout cas, histoire de commencer. Comme ça la prochaine fois je pourrai aller en retourner en chercher, ce sera plein normalement. Et je gagnerai donc un petit peu de temps. La résine qui servira donc à établir une base, hein, vous vous en doutez. Même si on n'a pas encore le plan. Ce qui est stupide. Et donc non, je vais pas prendre d'éoliennes puisqu'il faut que ça me libère. Faut que ça me laisse deux places de recherche. Ok, cool. J'ai un petit peu de résine supplémentaire. Voilà. Si j'en trouve un petit peu sur le chemin, ce serait cool. Histoire de finaliser un petit peu celui que j'ai entamé là. Oh non, il est encore petit. C'est pas grave. Ouais, bon. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ok. Bon. Bon. Eh bah, sauvegarde. Et puis, on va se laisser là avant le prochain épisode, chers amis, où on partira peut-être dans l'espace. Voilà. Salut les gens!